versus Oli. On torture le stream. Oh shit, ok, d'accord. Pas le match-up que je m'attendais, mais. I mean, on chiale pas quand les choses comme ça arrivent. On savait que ça allait être un match intéressant parce que le weekly est petit, fait que c'est sûr que les shenanigans vont être plus probables, mais. Samus contre. Wait, j'ai mis sur Bigfish. Maintenant, son nom c'est Bigfish. Ouh! Oh my god, quel beau spot dodge. Ouais, là je suis confus, je sais même plus c'est qui est qui là, honnêtement. Je vais être honnête avec vous autres. Là. A priori, je. Mais honnêtement, je pense que je vais essayer de guesser, puis je pense que Oli Pipe c'est Peach. La raison pourquoi je pense que Oli Pipe c'est Peach, c'est juste à cause qu'il y a spot dodge tantôt, mais. Ok, là c'est genre, c'est trop difficile à trouver. Là. Faut pas que je regarde leurs controllers, pour pas que je. J'essaie de découvrir c'est lequel. Ok, j'ai juste marché tout droit. Peut-être qu'il a essayé de le renvoyer avec son shield, mais ça n'a pas marché. Yeah, moi je pense que Oli Pipe c'est Peach. Maybe not. Oh! Oh! Oh my god! What? C'est quoi l'interaction de folie? Ok, le grab qui est spammé, mais ça fonctionne, fait qu'on chiale pas. Oh! Big! Je pense que c'est la première fois que je vois un down smash de Peach qui est chargé. Un des meilleurs moves du jeu entier, honnêtement. The washing machine. C'est un match-up un peu, comment dire, à distance. Oh my god, les neutral B qui kill toutes les Peach. Ok, là je pense que j'ai changé d'avis. Je pense que Bigfish c'est Peach. Oli Pipe c'est Samus. Yep, non mais là je viens. Ok, là j'ai utilisé du metagaming. J'ai vu la réaction de quelqu'un qui était fâché que son neutral B a pas réussi à land. Les down air qui fonctionnent. C'est quand même close. Peach a réussi à pogner un stock, c'est even Stevens, and there it is. The commentary curse qui colle le futur du match. Oh my god, les 28% qui sont importants dans le dernier stock. Mais contre Samus, elle peut se le permettre. Samus est bonne pour vivre assez longtemps. Quel beau zoning de Samus. Oh! Et la fin du match qui se termine avec un missed air dodge. Ils sont en train de conspirer contre le stream pour le rendre le plus long possible. What is it? And ok. Samus versus Zelda spécifiquement. Ok. Yeah, it was rough.
my god, j'ai vu l'attempt Ultra Giga Air Dash or whatever with the bomb. Ok, Holy Pipe sur Zelda, man. On a vu le Holy Pipe chic, mais le Holy Pipe Zelda. That's new. Boom! Ça, c'est plus fort que le knee, dude. It's the heel. C'est le talon. Au lieu du genou. And there it is. Oh, another one! Ah, réussis pas à follow après son grab. C'est quand même tricky contre une Zelda qui est pas souvent. Mettons que ce match-up là est rare. Pas besoin de grand chose pour tuer la Zelda. Oh. Perfect zone. Oh my god. L'invincibilité du down B. Oh. On aurait dit que l'Hyper puis connaît ce match-up là, somehow. Oh! Oh my god! Je pense que c'est la première fois que je vois le side B de Zelda Land. Oh, and there it is, and there it is. Clean execution on these executions. Je viens juste de remarquer que... What the fuck? Okay. But I didn't know that. How does... Execution and execution is the same thing. But one means like doing something, and the other one means doing something that kills somebody. That's messed up. Anyway. Moving on. Oh! Le down tilt qui tue pas. Zelda qui réussit à survivre à 145. Ouh! Ouais, ça survit pas ça pendant tout, hey. Forward smash de même à 150 à 100, fucking 80%. Oh! Repositioning, mais après il a rien fait après son repositioning, mais c'était cool, c'est ça qu'on veut. On veut du cool. Le grab de Zelda qui est juste étrange, elle fait juste mettre ses mains devant elle comme si la personne allait être envoûtée. Ouh, le perfect grab. Oh! Réussi à tuer avec la dash attack de Samus, qui est meilleure que la dash attack de Captain Falcon en tout point. Ah, si seulement Captain Falcon avait une bonne dash attack. Si seulement. Oh! La Zelda tente le hobby! Beautiful movement! L'utilisation de la plateforme pour land le back air. Intéressant. Oh, and there it is, and there it is. Holy Pipe gagne la deuxième game avec sa Zelda. Oh shit. Ok, je viens de me faire spoiler c'est quoi le prochain match avec mes oreilles. Ils ont choisi random. Yoshi versus... Ok. Well, Yoshi versus Bowser. Ça va être rough pour les deux personnes qui ont... J'ai pas... Oh, peut-être... Le Yoshi de Big Fish, Yeah, Peach, mais t'aurais dû être là, mais t'avais juste à être venu, t'avais juste à être là si tu voulais que le bracket soit plus intéressant. Anyway.
Au moins, on a des matchs qui sont plus intéressants que le bracket. On a Yoshi contre Bowser en ce moment. Puis tantôt, c'était la Zelda de l'Hyper contre la Samus de Big Fish. Puis juste avant ça, c'était c'est Peach était joué par Big Fish. Puis Samus qui était joué par Hyper. Fait qu'on a eu des matchs intéressants. Oh! Ouh! Ok. Ok, peut-être que Bowser de l'Hyper est sick. And there it is. Moi, la seule chose que je connais avec Bowser, c'est qu'il faut faire des up B out of shield, and that's it. Oh! Bowser de derrière qui a beaucoup de misère. Mais en fait, Bowser a tout le temps de la misère, on va être honnête. Ok, là c'est evened out en termes de stocks. Peut-être que le Bowser pourrait revenir dans la game. Ça va être difficile là, ils sont avec le B qui est pas super bon. Peut-être que s'il avait spammé le B, il aurait survécu pendant longtemps, mais je suis même pas sûr si Bowser peut spammer son B. Oh! Oh! j'ai aimé l'idée, mais en pratique, contre Yoshi, c'est ça. Ça a fait plus mal plus que. Ça a fait plus de mal que de bien, attends. Je suis pas mal sûr que ce grab là fonctionne juste pas, tu peux juste genre mash out. Oh! Le down tilt le plus rapide du jeu. Oh! Le back throw. Oh! Et le back air! Qui a réussi à prendre l'avant-dernier stock de Big Fish. Est-ce que ça va être assez? Non. Fait que là, Big Fish en a pris une, fait qu'on continue. On continue avec le random, puis j'aime ça parce que ça fait des games qui sont intéressantes à commenter. On a Ice Climbers versus Roy, ok! Ça va être quand même compliqué, j'ai l'impression, pour Holly Pipe qui a deux fois de suite s'est fait un peu. A pogné le pire. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ok. Quel beau forward air. Je savais pas que Big Fish jouait à les ICs, mais honnêtement, je suis pas tant surpris que ça. Je sais que son frère jouait les ICs pendant longtemps. Le slowpo qui come out. Oh my god. En plus, il y a le 69 Power Spike. He can't lose. Ok, il a perdu le 69 Power Spike. Je suis pas sûr que ce truc est fini. Oh, or is it? Oh my god, il utilisait Randall pour non seulement. En tout cas, c'était magnifique. Très belle utilisation du stage. Le slowpoke qui put in some work, puis aussitôt que je dis ça, il est mort. Là, faut se rappeler que c'est le vert qui est vrai, pas le jaune. Moi, je me trompe tout le temps entre les deux. Surtout qu'il y a des skins des fois que c'est la même chose, mais les couleurs sont inversées, ou tu contrôles l'autre, ça devient compliqué. Et moi, ça fait plus de sens dans ma tête. Non, j'allais dire quelque chose, mais ça sonne vraiment pas bien. Je vais rien dire. Oh, il a réussi à aller chercher son. Je sais même pas si ça sort. I don't know. Yeah, là, par exemple. Pas trop, pas. À un moment donné, il faut qu'il ait été assis de mort. Oh! Magnifique charge forward smash de l'Hyper.
Leroy qui garde, qui essaie de rester le plus en vie longtemps possible. Qui a son 69 Power Spike. Est-ce qu'il va être capable de l'utiliser? Pas vraiment. Oh, c'est tellement dur de tuer avec Roy. Oh! Les deux qui hit le troisième qui hit le deuxième personnage, puis le troisième, puis le quatrième qui utilise le premier. Ok. Là, ça devient intéressant. Le 96 et 69 à l'envers qu'il faut que je rêve. Je m'excuse. Oh! Puis c'est comme ça que ça termine. Ouais, t'y en avais pas un. C'était pas rendu. Ok, je suis rendu compte. Le stream a eu de la misère à suivre.